surestimation de la situation Saint-Pierre. Oui, ce qui finit d'arriver, c'est tenir un cylindre une fuite. Et ça, il crée un peu de problème. Il y a un bandit qui ne respire, il amène à l'hôpital. Et il amène dans le centre health center le plus près. Et je veux bien dire que toute l'autorité et FIM là aussi, je suis nazi promptement. Je suis une coordonnée pour cette région-là et je suis une dépêche bandit qui est en train d'aller pour gagner des bons soins. Donc, besoin de dire qu'il y a un, d'après ce que je connais, je trouve, je suis là-bas, un timely intervention. Et moi aussi, je suis allé dans le health center, je suis allé à l'hôpital Moka aussi, je suis allé. Et même, je suis allé une conversation avec le RHD, l'hôpital Victoria, qui dit oui, il est nécessaire de faire. Et en même temps, je suis allé au transport, la police et tout, je suis allé à l'analyse, je suis allé. Donc, valait du moment. Je peux dire que la situation est sous contrôle.